Coucou! Quand on a de belles fesses bombées et des hanches bien courbées, bien plus souvent qu'autrement, on va se ramasser avec un problème de fit et d'ampleur à la bande de taille arrière de notre pantalon. Aujourd'hui, je te montre la technique la plus simple pour ajuster un pantalon un peu trop grand ou qui fit pas en pantalon avec un super fit, super fit, super fit. On se lance! Pour réaliser cet ajustement de taille, tu devras d'abord faire l'essayage de ton pantalon, mesurer et épingler l'ampleur à réduire, tracer les pinces, puis les épingler, les coudre, et finalement, presser au fer et porter avec satisfaction. Donc, la première étape, c'est de faire l'essayage de son vêtement. Quand tu veux réduire la taille d'un pantalon ou d'une jupe, il ne faut pas réduire toute l'ampleur à un seul endroit du vêtement. Tu veux aussi éviter de réduire sur les latérales du vêtement et privilégier de réduire cette ampleur-là en formant des pinces d'ajustement. C'est sûr que faire l'essayage soi-même de vêtements, ce n'est pas l'idéal. Je dois dire que j'ai un peu rushé à épingler pour marquer mes pinces. Plus simple encore, je te conseille d'utiliser une craie à tissu pour faire le marquage de tes pinces d'ajustement. Quand l'ampleur à réduire est bien épinglée, je t'invite à mesurer chacune des pinces. Comme on a fait l'essayage seul avec nous-mêmes, il est bien possible qu'on ait manqué un peu de précision là, à l'épinglage. Ce qu'on veut, c'est répartir l'ampleur à réduire également sur chacune des pinces d'ajustement. Effectivement, ici, j'avais une pince qui mesurait 4 cm, et l'autre pince qui mesurait 3 cm pour un total de 7 cm. Donc, comme on veut faire deux pinces d'ajustement, on va faire la formule mathématique très élaborée de 7 cm divisé en 2. Ça va nous faire un 3,5 cm par pince. Jusqu'ici, je travaillais sur l'endroit de mon pantalon, mais à cette étape-ci, je vais retourner mon pantalon à l'envers. J'aurais très bien pu faire l'essayage de mon pantalon à l'envers pour que mes marques soient déjà sur l'envers du pantalon, mais moi, j'aime mieux travailler comme ça. Ce que je vais faire, c'est reporter et tracer sur l'envers chacune de mes pinces. Je trouve que le positionnement de ma pince était peut-être un peu trop près du centre de mon pantalon, ce qui peut avoir un effet un peu moins flatteur. Donc, je vais déplacer ma pince là, plus au centre, entre ma médiane et la latérale de mon pantalon. Je fais un premier trait, je mesure mon 3,5 cm qui est la valeur à réduire à l'intérieur de ma pince. Ensuite, je vais identifier où est la médiane de mon pantalon en traçant un trait. Et puis, je vais mesurer où est-ce que ma pince commence jusqu'à ma médiane. Donc là, j'ai comme un 6 cm. Je vais aller reporter cette mesure-là de l'autre côté. Et puis, ça va marquer le début de ma pince. Je mesure mon 3,5 cm et je fais un second trait. De cette façon, je m'assure que le positionnement de mes pinces est le même de chaque côté. Je ne veux pas avoir des pinces qui sont trop droites. Ça a tendance à être moins flatteur. Je vais les faire un petit peu en biseau, ce qui va venir aiguiser un peu ma taille. À partir de la médiane de mon pantalon, je vais mesurer sur la ligne d'empiècement d'eau et puis marquer le bout de ma pince. Je vais prendre cette mesure et la reporter de l'autre côté, toujours de façon à ce que mes pinces soient symétriques d'un côté et de l'autre côté. Ensuite, il me reste juste à terminer de tracer mes pinces. J'ai plié en deux ma pince et puis j'ai mis une épingle. Il me reste simplement à coudre. Je prends bien soin de commencer ma couture avec un point d'arrêt, avec la marche arrière de ma machine à coudre, afin d'avoir une couture bien solide. Si vous travaillez avec un tissu épais, il est vraiment super important d'avoir une aiguille à coudre robuste et bien pointue, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. On prend bien son temps quand on coud, et puis quand on arrive au bout de la pince, on fait un deuxième point d'arrêt pour vraiment venir solidifier notre couture. Une fois terminé, on peut venir mesurer de chaque côté, voir si nos mesures coïncident et si on a fait une bonne job, si tout semble est OK. Finalement, il nous reste juste à presser au fer les pinces. Cette étape-là va nous permettre une meilleure finition et un plus grand confort. Ta-da! Voilà le résultat! Je sais pas trop si ça se qualifie de super fait, de super fait, de super fait, finalement. ça se qualifie vraiment de technique qui fait la job.
Les avantages de cette technique-là, c'est que c'est une technique qui est rapide, facile et simple. C'est aussi une technique que tu peux exécuter à la main si tu n'as pas de machine à coudre. Et puis, si tu es une personne qui a beaucoup de fluctuations de poids, ben en fait, c'est que c'est une technique qui n'est pas permanente. Tu peux facilement venir découdre l'ajustement qu'on a fait préalablement pour pouvoir agrandir la taille si on prend du poids. Bon, c'est pas une technique magique. C'est sûr que si elle est exécutée avec un tissu qui est plutôt épais, les pinces vont faire une petite épaisseur là, à l'arrière qui peuvent peut-être être inconfortables ou irriter la peau pour les personnes qui sont un peu plus sensibles. Donc, j'espère que cette vidéo t'a procuré un certain bonheur et que toi aussi, tu t'aventureras dans ce chemin d'ajustement de pantalon. Je te remercie d'aimer la vidéo, de la partager et je te dis à la prochaine vidéo!